quelque part, je ne savais plus si j'avais envie de continuer sans. Je ne savais pas si j'étais capable d'aller au bout. En même temps, je me disais que je devais. Et il me semblait que le personnage auquel je m'étais le plus identifié, c'était Julie, et j'avais envie de continuer. Et donc, j'ai fait une histoire un peu à part, quelque part. Elle est un peu à part, cette histoire, dans le cycle. Et en fait, voilà, je crois que ça m'a permis de reculer pour mieux sauter, pour faire ce cycle et pouvoir maintenant faire 3 albums d'affilée, qui seront un peu l'apothéose des cendres et où il va vraiment, un peu comme la fin d'une symphonie romantique, où il y a les canons, c'est l'apothéose, quoi, c'est le maximum. Tout se met en place, tous les éléments qui précèdent vont se rejoindre. Et cet album qui paraissait si étrange va trouver sa place, surtout quand on aura terminé. J'ai toujours voulu que Sambre soit, comme la rivière Sambre en Belgique, un fleuve, donc un roman fleuve, et que le premier défi de Sambre, c'était de raconter une histoire où les personnages vieillissent, et de montrer tout le trajet qu'on peut avoir quand on est adolescent, qu'on aime, qu'on traverse une vie, et qu'est-ce qui reste après ça? Est-ce que l'amour adolescent, qu'est-ce qui reste? Je crois que c'est la question que je me posais et qui m'obsédait à l'époque. Et j'avais envie de la traduire dans une forme de roman, en faisant référence à la littérature classique du 19e, qui avait déjà parlé de ces thèmes-là, et que j'avais envie de traduire en bande dessinée pour essayer de donner un éclairage nouveau, ou simplement parce que les vraies histoires, pour moi, elles doivent se dessiner. Parce que quand on les dessine, on les vit. Et que ça permet d'être tous les personnages à la fois, et que c'est plus fort qu'écrire, quoi. Où je me mets à la place des personnages, et puis je vieillis avec eux, et puis je suis une femme, et je suis enceinte, et je n'ai pas envie d'être mère, et après ça, je vais vieillir, et comment je vais vieillir? Voilà, et toutes ces questions, j'essaye de les vivre à la place, de devoir traduire ça en dessin, voire dessiner un corps qui vieillit. Et ça vous interpelle toujours parce que vous êtes obligé de vous demander qu'est-ce que je pense de moi quand je me regarde dans le miroir et que je dessine mon corps. Je ne m'étais jamais intéressé au pli de la hanche. C'est purement fonctionnel, quoi, le pli de la hanche. Mais quand vous le dessinez, vous dites, ben, il y a peut-être moyen de rendre ça beau, ou voilà, ou d'en souffrir. Tiens, il y a un peu de ventre, c'est pas terrible, ou qu'est-ce que ça raconte. Et voilà, il y a cette exploration, c'est un chemin de connaissance, et le dessin est un extraordinaire chemin de connaissance, qui est absolument abominable de vérité, dans la mesure où il ne vous laisse aucune, il est sans pitié. Et si vous avez raté un dessin, vous le savez tout de suite. Il y a des moments donnés où on ne trouve pas, où ça ne marche pas. Et en même temps, il y a ces moments de grâce, comme ça, de magie, qui illuminent une vie, comme dans une vie, on va rencontrer son amour, et puis voilà, on va avoir des moments bénis, et ça vous guide, et c'est un couple vit de ces moments d'exception, et bien le dessin c'est pareil. Et voilà, et vous traversez votre vie avec cette existence parallèle, cette recherche imaginaire qui vous en apprend sur vous, et qui vous construit en même temps. Souvent, quand je fais un dessin, j'ai l'impression qu'il est plus parfait sans le rouge, et puis c'est plus fort que moi, quoi. Voilà, il faut que je mette le rouge. Parce que c'est moi, voilà, c'est ma couleur. Et depuis que je suis né, voilà, on mettait, quand on mangeait à table, mon rond, on est une famille, 4 enfants, et en plus, il y avait ma cousine qui venait et tout, et on avait tous une couleur pour reconnaître nos ronds de serviette. C'était les années 60, et moi, c'était le rouge, voilà. Donc, c'est le rouge, c'est à moi, c'est à moi. Thank you.